Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidya est l'homme qu'il faut pour notre pays. Sidya, président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Aujourd'hui, vous avez tous compris que la Guinée est dans la main de certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur de ce que le peuple leur a confié en 2010. À ce sujet, je pense que nous devons tout faire pour que 2015, notre frère et ami, le président Sidya Touré, soit élu comme le président de la République au premier tour. Sidya Touré, oyez ! PDDP, oyez ! UFR, oyez ! La Guinée, depuis qu'on vous comprend, Kadou est pas monocale ? Kadou est pas monocale ? Mais est-ce que Malek ou elle est là, mon nom? Est-ce que Malek ou elle est là, mon nom? Grève ou pas Malek ou pas, on va le à 2010, vous m'avez dit, mon nom, mais vous pouvez vous faire. Vous voulez Alpha Condé pour vous. Alpha Condé, est-ce que vous m'avez dit? Avant de voir Alpha Condé, avant de jouer Alpha Condé, pour le Hokka Yomouba, est-ce que Alpha Condé est malin? Donc, est-ce que Alpha Condé est malin? 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 Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé. Merci, merci beaucoup. Vous savez pourquoi on veut être président le 11 octobre? Je vais vous expliquer. Combien d'entre vous n'ont pas de travail? Levez la main. Voilà. C'est à cause de cela. C'est à cause de ce chômage-là. C'est à cause du manque de travail, du manque de revenus, des fausses promesses. Notre programme, quand nous allons arriver à la présidence en 5 ans, vous n'allez pas reconnaître cette région. Nous allons installer, rien que dans la préfecture de Yomou, près de 2000 jeunes avec des plantations qui appartiennent à eux-mêmes. Nous allons le faire dans la production de l'huile de palme. Et pour chaque 100 hectares, nous allons mettre une unité de transformation en huile de palme. Pour chaque 100 hectares. Et chacun d'entre vous pourra accéder à 1, à 2, à 3, à 4 ou à 5 hectares. Ça, c'est pour le palmier à huile. Cela va créer dans le domaine agricole, dans le domaine de la transformation, dans le domaine du transport, simplement, près de 40 à 50 000 emplois. C'est comme ça qu'on développe un pays.
Nous allons faire en sorte que le cacao s'implante ici, parce que ça rapporte beaucoup. Il y a une nouvelle variété qu'on appelle cacao Mercedes. Quand tu plantes, en 18 mois, ça commence à produire. Dans le domaine de l'EVA, les prix étaient bons avant. Nous allons mettre en place une sorte de caisse pour permettre à ceux qui ont des productions, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas le vendre, il faut que l'État l'achète. Si l'État l'achète, le paysan continue de produire. Le 11 octobre, ce n'est pas seulement le vote. Il faut surveiller votre vote. Il faut vérifier votre vote. Et il faut faire en sorte qu'on ne vous vole pas. Parce que comme les gens n'ont pas de bilan, ils ont envie de venir voler votre vote et de faire en sorte qu'on puisse déclarer que vous avez voté contre vous-même. Parce que si vous votez pour eux, ça veut dire que vous votez contre vous-même. Est-ce que quelqu'un peut voter contre soi-même? Alors veillez sur le vote, surveillez vos votes, vérifiez que tout se passe bien. Et le 11 octobre, nous allons commencer à changer ce pays. Merci beaucoup.